Ok les gars, nouvelle vidéo avec tous les skins dans les menus. Donc on a commencé tout de suite par lui, voilà, j'ai pas eu le temps de vous le présenter vu que je parle en même temps. Donc voilà, c'est parti. Donc le premier, vous pouvez retourner aller le voir si vous voulez. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier, il était classique, on l'a vu. Alors ensuite celui-là, il y aura 8 styles. 8 styles, donc c'est-à-dire faudra acheter les 8. Donc c'est en vert, 800 V-Bucks. Et donc c'est comme les skins taxi jaune ou comme les skins football, etc. Donc il y a 8 styles. Donc voilà, il y a 4 hommes, 4 femmes. En blanc et noir comme ça. Donc voilà. Je sais pas du tout si c'est pour genre la World War 3, la Troisième Guerre mondiale, puisque ça ressemble un petit peu à ça. Moi c'est à quoi ça me fait penser, mais peut-être pas vous. Enfin, je sais que il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, mais vous connaissez le mème sûrement. Donc voilà. Hop. Ensuite, donc le nouveau, je sais pas s'il a montré les 8 juste avant, mais dans tous les cas, il y en a 8, voilà. Alors celui-là, il est magnifique, 800 V-Bucks. Ah bah voilà, il continue à vous montrer cela. Hop. Toutouloum. Ok, donc nouveau skin, 800 V-Bucks, avec deux petits customs. Donc pour un skin à 800 V-Bucks, c'est cool qu'il y ait plusieurs customs. Donc une sans la capuche et une avec capuche. Donc c'est sympa. C'est un peu le skin qui rend brawler. Et il fait penser aussi au skin du pass de combat avec sa capuche. Hop, encore un skin comme ça. Ça doit être le 7ème ou le 8ème, je sais pas, j'ai pas compté. Ensuite, celui-là. Donc, encore le même style que les autres, sauf que lui, il n'est pas 800 V-Bucks. Il fait pas partie des 8 autres. Donc, c'est le 9ème. Il a un peu le même style au niveau des jambes. Sauf qu'il a 3 customs. Une custom normale, donc comme les autres skins. Une custom en bleu, qui est magnifique. Super stylé. Et une custom en vert, donc jungle. Oh, j'avoue, ça claque. Ah, j'ai vu un petit bug au niveau de la ceinture. Mais c'est pas très grave. Alors ensuite, le nouveau skin pour Nouvel An chinois, donc tigre. Un petit skin tigre. Magnifique. Le deuxième skin pour le Nouvel An chinois. En rouge, donc ça c'est clairement le nomade version Wish. Clairement, ensuite le du coup 9ème, enfin 10ème skin dans ce style. Donc celui-là, comme la fille, sera à 1200 V-Bucks et aura 3 customs également. Voilà, en bleu, Arctique et en vert pour la jungle. Donc voilà. C'est sympa, mais en version mec, j'aime pas trop. Ensuite, le skin Splatoon, pardon. On peut clairement reconnaître que c'est skin Splatoon avec la coupe de cheveux que tous les personnages Splatoon ont. Et ensuite, le skin Motard avec deux customs en vert et en bleu. D'ailleurs, je sais pas comment ils font pour choisir les couleurs. Et est-ce qu'ils votent? Ils mettent toutes les couleurs sur les skins, après ils votent entre eux, je sais pas. Donc, ils ont mis vert et bleu. Il y avait plein d'autres couleurs, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, le petit skin Iris, à 1200 V-Bucks également, comme le skin Splatoon et la moutarde, avec deux customs, une avec capuche et une sans capuche. Sympa, mais trop classique encore une fois. Ensuite, le petit skin Nouvel An chinois, avec une calvitie, mais une très très grande tresse derrière. Ok. Et la deuxième custom qui est magnifique, j'adore. Si vous regardez Dragon Ball, vous connaissez Krillin. Bah voilà, il est chauve comme Krillin avec ses poings sur la tête. Et c'est un maître Shaolin, je pense. Ensuite, encore un skin à 1200 V-Bucks. En bleu, qui fait penser au skin d'Halloween avec sa grosse mâchoire. Ou aussi un petit peu au skin qui est dans la boutique aujourd'hui. On continue avec le skin le plus beau. Enfin non, un des plus beaux, parce qu'il y en a un que je kiffe encore plus. Voilà. Celui-là, il serait pour le Nouvel An chinois également, qui arrive bientôt. Hop, en bleu et en rouge, qui est magnifique, avec son dragon chinois sur la tête, et surtout la tête ténèbres à l'intérieur. Et voilà, c'était lui. Je trouve que c'est le plus beau, parce que j'adore la couleur dorée déjà premièrement, et ensuite les couronnes. Enfin, il est magnifique. Donc, il y a deux customs, en brillant, où son orée brille et ressort beaucoup, ou là, où c'est métallique et ça brille pas. Ensuite, le petit skin Jelly, donc le dernier,
Lui, c'est clairement le sac à dos du Poiskai, si vous connaissez. Sur le skin Poiskai, son sac à dos, bah, c'est exactement ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. La vidéo vient de Everyday Fortnite. Il a peut-être repris à quelqu'un également, mais en tout cas, moi, je la prends de lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais faire tous les défis, tous les nouveaux défis, etc. Donc voilà, allez, ciao!